Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait bien de démarrer un petit vlog déménagement pour vous montrer un petit peu comment on s'y est pris, parce que j'imagine qu'on va avoir pas mal de questions. Tant aujourd'hui un départ de plantes, mais ça je vous ai déjà montré dans le vlog précédent. Je voulais peut-être vous montrer voilà, la dernière semaine ici à Lyon, comment est-ce que ça se passe. Alors il y a pas mal de choses que je vais pas filmer, je pense. Ces derniers mois, on a essayé de voir beaucoup de monde, beaucoup d'amis. Je m'étais dit que je ferais pas une grosse fête de dépendaison de crémaillère ou de départ, de pot de départ, simplement parce que je voulais pas me rajouter cette charge mentale de prévoir une fête, etc. Surtout que vu le nombre d'amis qu'on a, je pense que, et de famille, je pense qu'on n'aurait pas pu faire ça à la maison, donc il aurait fallu louer quelque part, etc. ou squatter chez quelqu'un, enfin bref. Mais en fait, au final, je me dis qu'en essayant de caser tout le monde ce dernier mois, ça m'a pris autant de charge mentale et autant de temps et d'énergie, mais bon, au moins ce qui est sympa c'est que j'ai pu passer du temps de qualité avec les personnes que j'ai vues, ça c'est cool. Donc ça, cette dernière semaine, je pense pas que je vais filmer ces parties là, mais par contre voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu où ça en est. Là nous sommes samedi 4 mars et nous allons prendre demain un Airbnb à côté de chez nous. Parce que comme on emmène quasiment rien, eh bien il faut qu'on vide l'appartement entièrement. Donc on a donné beaucoup de choses à des amis, etc. Le reste que les amis voulaient pas, on va vendre ou donner aussi sur Le Bon Coin ou sur des sites comme Donon.fr, etc. Et du coup, ben, pendant cette semaine-là, il va falloir vider et ensuite faire le ménage de l'appartement. J'ai trop les boules parce que les crocus ne sont toujours pas sortis. Dans une tentative désespérée, je les ai même rentrés il y a 2 jours. Alors j'en parlais avec une abonnée sur Instagram, je dis bah allez, moi je les rentre aussi. Et bon, 2 jours bien sûr, ils sont pas sortis, hein, donc je vais pas pouvoir en profiter. Mais bon, je vais les donner à des amis qui ont des balcons et me font des jolies photos. Mon gros regret. Et du coup, demain, tant pis, je vais aller me faire un petit bouquet de tulipes ou de narcisses. Je vais aller m'en acheter au marché, ça me fera du bien. Ça aiguera un petit peu l'Airbnb et puis ça me compensera ma frustration de pas avoir pu couper mes propres fleurs que j'aime faire, ce que j'aime faire chaque année. Sinon, aujourd'hui là, ça commence à monter un peu l'émotion, c'est-à-dire que tout ce mois-ci, j'ai pas du tout eu le temps de réfléchir. En fait, j'étais en mode robot, et même encore aujourd'hui, on a une to-do list longue comme le bras. À chaque heure, à chaque même demi-heure, on a quelque chose, soit un rendez-vous bancaire ou je sais pas quoi, soit un rendez-vous un meuble ou bien une personne à voir, aller boire un dernier verre avec, etc. Ouais, c'est un peu chaud. Et là, ça commence à monter, notamment hier soir, je suis allée au restaurant avec ma sœur, et là, c'est chaud. Et même un truc tout bête, mais genre mes plantes par exemple, là je les donnais, je suis tellement contente de les offrir à mes amis et voilà aux gens que je connais, mais là hier de voir l'appartement sans plantes et de repenser à certaines plantes que j'aimais trop, et là bah ça y est, c'est commencé à me faire quelque chose. Je peux plus les revoir, ces petites plantes, mais en fait c'est tellement déséquilibré vis-à-vis du manque que je vais avoir vis-à-vis de mes amis ou ma famille que en fait jusqu'à présent c'était pas, j'avais même pas pensé en fait. Donc voilà un petit peu pour ce que je vais filmer cette semaine, et puis peut-être que le vlog se terminera par notre arrivée aux États-Unis. Je sais pas encore quand est-ce que je le couperai, etc. On a un vol 2 jours, donc autant vous dire que Louis ne va pas dormir. Enfin, je vais pas me porter la poisse, bien sûr, je pars des fétiches, mais bon voilà, j'ai eu quelques petites expériences déjà avec lui. Et puis de toute façon, si Louis dort, faudra que je serai en train de réconforter Nox. Ensuite, je vous ai fait quelques petits clips des dernières fois où j'ai checké mes crocus avant de les offrir, où j'ai checké la sortie de mes oxalis et de ma dernière feuille de philodendron Gloriosum. Et je vous intègre là à la suite un petit clip que j'ai filmé en amont en février pour une jolie collaboration. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter 2 produits que j'ai reçus de la marque Green City Matabi. D'ailleurs, ce petit clip est fait en collaboration avec eux, donc je les remercie pour leur confiance. Chez Green City, on utilise depuis 2 produits qui sont en fait des pulvérisateurs. Le premier est ici. Celui-là, c'est un pulvérisateur que j'utilise davantage pour l'intérieur, mais il est fait aussi pour l'extérieur, si vous avez, comme moi, un petit balcon, un rebord de fenêtre, un jardin. Il est top parce qu'il est ergonomique. Il y a plusieurs buses, en fait, qui sont hyper faciles à enlever et à changer. Celui-là par exemple, ça va être un spray, une vaporisation un peu en pluie fine, donc c'est super pour humidifier vos plantes chez vous. Avec le petit raccordement, ça vous permet aussi d'aller sprayer des plantes qui sont peut-être un peu plus en hauteur. Je pense à celles qui sont suspendues au-dessus de mon canapé ou celles que je vaporise dans mes macramés. Ça c'est vraiment top. Et la buse plus fine, je vais l'utiliser davantage pour aller nettoyer les feuilles, par exemple faire un traitement pour les nuisibles. Moi j'aime bien, vous savez, traiter au savon noir et à l'eau, alors en quantité
tout est écrit sur le produit de savon noir que vous utilisez. Respectez bien les quantités. J'aime beaucoup aller traiter régulièrement mes plantes lorsqu'elles passent à la douche. Et la buse plus fine permet vraiment une application, on va dire, soit plus forte, elle se règle elle aussi de deux manières, soit plus ciblée. Si vous fertilisez vos plantes avec un fertilisant foliaire, là aussi la buse en spray plus vaporeuse va être tip top. Moi je la trouve aussi géniale si vous faites des semis chez vous pour aller humidifier la surface du terreau, de la motte en fait, sans noyer déjà le semis et surtout sans aller déplacer les graines que vous auriez semées. En plus d'être ergonomique, il est transparent, ça vous permet de savoir combien de liquide il vous reste. Et là il y a presque un litre, il y a 0,7 centilitres. Donc ça c'est le spray Green City Matabi 700 et j'ai aussi reçu le Green City Matabi 2 qui lui va davantage être utile pour moi sur le balcon et sur mes rebords de fenêtres. Là aussi pour ce spray là vous avez plusieurs positions, vous avez une buse d'application directe et plus précise et celle en vaporisation. Vous avez aussi un tuyau qui fait plus d'un mètre, 1,3 mètre et qui va vous permettre d'accéder à des plantes beaucoup plus hautes mais aussi de poser en fait simplement le contenant dont la capacité est 2 litres sans vous faire mal et du coup vous pouvez le poser et sprayer vos plantes, les vaporiser ou les traiter sans vous casser le dos. Pour l'utiliser vous avez une pompe simplement et vous avez ensuite un bouton qui active le vaporisateur. Ensuite sur le pistolet vous pouvez tout à fait appuyer sur la position maintenir le spray, comme ça vous pouvez continuer en continu. Vous avez aussi une position sécurité, en fait un bouton qui vous permet de dépressuriser la pompe comme ça lorsque vous voulez le ranger ou si vous avez un petit loulou qui court dans vos pattes et qui veut appuyer sur la buse et qui en met partout chez vous. Et ben au moins vous êtes tranquille pour l'aspect sécurité. Le spray du coup, le pistolet sera pas chargé en eau. Vous avez également un filtre pour faire vos propres décoctions. Par exemple, moi je l'aime beaucoup l'utiliser là avec du savon noir et une décoction de savon noir et d'eau en prévention des pucerons. Mais je sais aussi que certains ont des soucis avec le mildiou. Vous avez des décoctions que vous pouvez faire avec du lait et de l'eau ou bien il y en a qui utilisent du bicarbonate de soude, alors seulement une petite cuillère, hein, 5 grammes pour un litre, petite recommandation. Mais du coup avec le filtre, vous allez pouvoir faire vos décoctions sans qu'il y ait de risque finalement d'obstruer la buse et du coup elle durera plus longtemps. Le filtre il est lavable à l'eau et il est réutilisable à l'infini. Là aussi vous pouvez utiliser la buse plus précise si on est par exemple sur un décollement de puceron ou bien un spray un petit peu plus vaporeux si vous êtes sur un traitement grossier de plusieurs plantes à la suite. Je vous remettrai en barre d'infos là où vous pouvez trouver les produits Green City Matabi. Vous en avez maintenant chez Truffaut, mais il existe aussi d'autres sites de revente en ligne. Je vous mettrai tout. Et vous avez aussi, à chaque fois que vous achetez un produit Matabi, accès à un cours en ligne, plus de 26 vidéos. Vous avez en fait un QR code quand vous achetez votre produit derrière le mode d'emploi pour créer votre petit jardin potager urbain. C'est Plantea Nverde qui fait les vidéos. Donc voilà pour cette présentation de ces produits que j'utilise désormais à la maison. Et je remercie encore Green City Matabi pour cette jolie collaboration. De retour dans l'Airbnb, j'ai voulu me faire plaisir avec des petites tulipes, celles dont j'ai pas pu profiter sur le balcon. Et puis dans tout ce chaos, je me suis allée me faire un soin en institut. En fait, j'avais eu un chèque cadeau à Noël, parce que je demande plus de cadeaux physiques maintenant quand on me demande. Du coup, c'était l'occasion ou jamais, littéralement. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mars et je suis désolée pour l'écho, mais l'appartement est complètement vide. On a fini de le nettoyer hier et ouais... ça fait très bizarre. Il y a encore Nox dans une chambre. En fait, on a laissé son tapis, ses croquettes, son distributeur de croquettes, sa litière, son griffoir, tout ça. Il aimait bien se mettre dans les placards. Du coup, on a laissé là pour pas qu'il soit trop perdu. Le Airbnb est super. Bon, déjà, on s'est rendu compte qu'ils autorisaient pas les animaux. Mais en fait, c'était pas... Alors, de toute façon, on n'avait pas prévu de le mettre dans l'Airbnb avec nous parce que... les chats, ils nous aiment beaucoup, mais ils aiment d'abord mieux chez eux. Donc voilà, on fait les allers-retours pour lui donner sa pilule et sa pâtée et ses courgettes, etc. matin, midi et soir. Mais au moins, il est un petit peu moins perdu. Cette semaine au Airbnb, ça s'est plutôt bien passé pour Louis aussi. Les deux premières nuits, il a eu du mal à dormir, mais bon, ça, je pense que c'est normal. Moi aussi, de toute façon. Et puis après, ça a été, il a bien compris et tout. Hier, on a vu encore quelques copines pour dire au revoir. Hier, on était chez ma sœur. Elle lui a organisé une petite fête de départ et tout. C'était trop touchant. J'ai pas trop eu le temps d'être triste pour le moment, sauf quand ça touche Louis.
On allait faire son goûter de départ à la crèche, ça m'a beaucoup touchée parce qu'il était, bon, il était super content, Louis, hein, de voir tout le monde, d'avoir fait un petit goûter, de dire au revoir. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas facile. Donc voilà pour l'avancée des choses. Demain, on doit monter à Paris. On a un vol direct Paris-San Francisco le 11 mars. Mais demain, du coup, on monte à Paris en voiture. On avait pris des billets de TGV, tout ça. Bon, on a pas mal de valises, on a au moins 7 ou 8 valises. Avec les grèves reconductibles, ben, je savais pas trop comment m'organiser. Parce que comme c'est reconductible, on sait pas forcément la veille pour le lendemain l'état du trafic. Du coup, on a loué un véhicule. En fait, au niveau des prix, ça nous revenait un peu à la même chose. Puisque comme on repart en TGV avec mes grands-parents, mes beaux-parents, ça faisait pas mal de billets de TGV de toute façon. Le soir, on sera à l'hôtel vers l'aéroport et le lendemain, on décolle. C'est un vol direct, ça c'est cool. Même pour Nox, c'est plutôt cool et même pour nous, hein, ça c'est clair. Mais vraiment, avec un enfant et un chat, de ne pas avoir à faire une correspondance dans un aéroport comme on fait d'habitude, ça c'était vraiment cool. Il sera en cabine avec nous. Voilà, une page s'autoroute. Je vous laisse avec quelques petites images de cette page qui se tourne. Notre trajet extrêmement chargé avec Nox avec nous en cabine et Loulou. Et puis notre arrivée avec un petit teaser de ce qui va bientôt arriver. L'endroit où je me trouve en fait lorsque je fais ce petit montage. J'ai hâte de vous montrer tout ça et de partager avec vous cette nouvelle aventure. Je vous remercie vraiment pour tous vos messages très chaleureux. Ils m'ont beaucoup touchée. Et je vous dis à jeudi. J'ai été obligée de déplacer un petit peu les programmes sur la chaîne. À cause du décalage horaire.